Est-ce que vous sentez cette odeur de vengeance là? Vous vous souvenez, hier, Quentin a massacré mon dressing. Elle va pas être contente, je crois. Hein. On marche bien avec les chaussettes sur les vêtements. Oh là 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 là. Magnifique. Il l'a complètement massacré. À la limite, jeter les fringues par terre, ça m'aurait à moitié dérangé. Le problème, c'est qu'il a jeté une poubelle pleine qui pue tellement fort que là, j'ai été dépassée. Attendez, je vous pose. Je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je vais ignorer mon copain pendant 24 heures. Et étant donné qu'on est enfermé, forcément, ça va le saouler. Je vais pas m'amuser à cacher la caméra, ou en faire un prank, etc. Il va cramer, donc forcément, il va voir que je filme. Il adore jouer à la play. Donc, on va faire un petit truc. Que les abonnés m'ont gentiment donné l'idée. On va prendre sa play et on va la cacher. Comme ça, il pourra pas jouer et on pourra être sûr que ça va bien l'énerver que je ne le calcule pas. Parce que forcément, si je le calcule pas, à un moment donné, il va dire « Oh, vas-y, je m'en fous, je joue à la play ». Non, 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 ça va pas se passer comme ça. 5 minutes later. Encore en train de jouer à la play. Ça, c'est toute ta vie en fait. Toute ta vie, tu joues à la play. C'est quoi comme jeu là? Call of. Ok, et le chien? Pourquoi le chien? Bah, il faudrait peut-être un peu le sortir, non? Je vais y aller. Bah oui. Allez, let's go. Ah, t'es motivé toi, hein, ça se sent. Ça y est, le chien, il est parti. Du coup, il a même pas éteint son jeu. Je sais même pas comment on l'éteint. C'est pas grave, je débranche comme ça. Hein. J'espère que je vais pas lui casser. Ça serait un peu bête de lui casser. Il va péter un câble, mais vraiment. Maintenant, direction la cacher. Faut qu'il rentre. Petite plaie, fini pour la journée. Hop, hop, hop. Je vais la mettre dans mon dressing, derrière le miroir. Juste ici là. En plus il était en pleine partie. J'adore. J'adore, je sens que ma journée je vais la kiffer aujourd'hui. Ça y est, sa play elle est mise en sécurité. Maintenant je vais pouvoir me préparer à manger. Et j'ai bien dit me parce que lui il n'aura rien du tout. On a bien dit ignorance totale. À partir de maintenant. Il est rentré. J'ai entendu la porte. On va faire comme s'il n'existait pas. Qu'est-ce que je vais me faire à manger par contre? On a fait vite fait les courses. Et où la console? Donc. Ah bah t'as fait quoi la console? Elle est où? Je vais me faire des légumes. Je sais pas pourquoi, je sais pas vous, mais moi le midi, j'adore manger des légumes. T'as mis où la console? Et le soir, les féculents, je sais que de base, c'est l'inverse. Tu as bien débranché la console avant. Tu l'as bien éteinte avant de la débrancher parce qu'elle aime pas ça. T'as mis où la console? Allô, je pars. Du coup, je vais me faire ça. Mais on s'en fout de ça. Je vais me faire ça. Des courgettes. Elle est où la console? Avec. Je te parle, mais oh, tu vas arrêter de filmer là. Avec. Mais arrête de faire genre. Elle est où la console? Je sais pas, je vais manger quoi avec ça en fait? Mais vas-y, je veux pas de courgettes moi, arrête de filmer. C'est quoi le mieux? Du poulet ou des œufs? Putain, vas-y, t'es en train de me saouler en fait. On va manger du poulet. Je vais prendre des œufs. C'est quoi ton délire là? Tu veux m'ignorer, c'est ça? Genre les gars, elle veut faire un 24 heures, j'ignore mon copain. Mais joue pas à ça parce que tu vas perdre. Hein. Vas-y, elle est où la console là? Déjà, t'as mis ça où? Putain, je suis sûr que tu l'as débranché. Comme une bœuf. T'as tout débranché. On va lâcher ça, c'est sûr. Ce dressing est un peu trop bien rangé. Casse-toi avec la caméra en fait. Ah là, tu m'ignores plus. De toute façon, il la trouvera jamais. Hé, hey, tu te fous de ma gueule en fait. Dégage en fait, arrête de filmer. Je vais te prendre la caméra, tu vas voir. Mais tu vas prendre cher. Hein. Ignore-moi pendant 24 heures, tu vas prendre très très cher. Oh, ton dressing à côté. C'est de la gnognotte ton dressing à côté, t'inquiète pas. Il a même pas intérêt de mettre le bordel dans mon dressing. Depuis quand on fait à manger que pour une personne ici? Allô? Ok, c'est pas grave. De toute façon, vu que tu m'ignores, non, on va manger à deux une assiette. Elles sont bonnes les courgettes. Ça fait quoi de partager ton assiette avec moi? Tu vas pas venir celle-là. Hein. Merci pour ce repas.
5 minutes later. J'ai une cuillère, s'il te plaît. Il y a un poil de nez. Tu veux pas ça? Tu peux toujours pas réagir. Ou alors tu me dis où est la plaie et j'arrête de te faire chier. Bébé. Bébé. Tu veux pas mes poils de nez? Une crotte de nez, c'est sucré. Ça va faire ton sucre. Ah. Attaque des cotons-tiges. Je viens de finir de me brosser les dents et il a enfin arrêté de me faire chier. En fait, j'ai l'impression que ça l'agace pas du tout cette histoire de l'ignorer pendant 24 heures. Je l'entends plus, c'est bizarre. On va descendre, voir ce qu'il fait, qu'il en profite pas quand même. Tu peux toujours pas me dire où elle est la play au fait. Je te jure, hein, si je la retrouve pas avant une heure, je te refous le bordel dans le dressing. Vas-y, t'as les pieds sales là, enlève tes pieds du canapé. Vas-y, tu saoules! T'es sûr que tu veux continuer à m'ignorer? A few moments later. Tu regardes la télé? Tu veux changer de programme peut-être? Ah, tu réagis là! C'est quoi? Allez hop, on éteint la télé. C'est ça que tu veux? Ça? Non, attends, je t'explique. Voilà. Tu veux quoi? T'as le droit à un des deux. Aucun? Cool ta life. Faut que je garde la télé. Je vais vous prendre avec moi. Tu leur dis au revoir? Au revoir. Elle sait toujours pas à qui elle a affaire. Une petite bouteille d'eau. Et on va aller dehors. On va lui faire une petite douche. On va voir si elle va continuer à ne pas réagir. Bon les gars, on va aller poser la bouteille sur la table et je vais vous remettre sur le trépied. Toujours sur ton téléphone, fais gaffe, tu vas plus avoir de batterie. Hein. Bon allez, j'en veux plus de ta caméra. Je crois qu'on va lui donner sa réaction. Hein. Tu réagis toujours pas? Et toujours pas. Bah alors? Tu veux pas parler? Hé, hey, tu fais quoi? Alors là, là! Tu réagis? Non, là, tu te saoules en fait! Ah, j'existe! Elle a réagi! Oh! Arrête, arrête! Voilà! Voilà! Au moindre truc, il en profite pour me faire chier! Voilà! Même à 24 heures, il a ignoré, on peut même pas le faire avec lui en fait! C'est pas possible! T'as tout niqué! Fais-moi un bisou! Non! Ah si! Non! Ah les gars, je suis tellement content qu'elle me reparle! Échec de la mission! Mais pendant cette période, mais ta play, fort. Mais ta play, tu ne sauras pas où elle est. Le soir, il joue en direct avec ses potes et tout. Mais là, c'est fini, ouais. Finish. On va voir. Putain. J'ai pas bien les boules. Mais j'ai tellement les boules. En plus de ça, il a tout mouillé. Il a tout mouillé le canapé. Il a tout mouillé le canapé. Bravo. 5 minutes later. En fait, t'aimes ça, faire le ménage. Avoue-le, en fait, tu fous le bordel pour après tout le temps nettoyer, c'est ça? Après, je nettoie. Non, mais vraiment, des fois, je ne comprends pas. Regarde comment il est tout mouillé. Je crois qu'il est encore plus mouillé que moi. Ouais, je commence à avoir froid, je vais être malade. Alors, sans play, ça donne quoi? Ben, je regarde les autres jouer à la play. Non, mais c'est incroyable, en fait. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle, ça? Tu me saoules. Non mais dis-moi, est-ce que tu sais comment ça s'appelle ce genre de comportement? Pas du tout. Une addiction. Tu es addict à la play. Tu vas où encore? Je vais chercher ma console. Mais c'est incroyable, les gens ils lâchent pas l'affaire. Tu me saoules. Franchement, c'est le truc qui m'énerve le plus. Hein. Pourquoi? Franchement, je suis bien contente d'avoir mis de l'eau sur la tête. Je vais recommencer en fait si je trouve pas À la recherche de la console. Ah, franchement, tu me gaves. Regardez sa tête là. Plus de play. Ton, ton, ton. Vas-y, donne-moi tout ce que tu veux. Tout ce que je veux. Oui, tout ce que tu veux. Ah, bah attends, je vais demander un truc qui va être bénéfique pour toi. Parce que ah t'as bon. Vu, moi je suis trop gentille. On va jouer à cache-cache. Et bah ça me va. Ça te tente? Ça me va. T'es chaud? Je suis chaud. Alors attends, on va corser les règles. À chaque fois qu'on retrouve l'autre, et eh bah ben, il a un défi. Ça veut dire que par exemple tu comptes jusqu'à 10. Je vais me cacher. Et si tu me retrouves, et eh bah ben, tu me lances un défi plus ou moins hard. Et je vais enfin pouvoir te vénère. Bah vas-y, moi je suis chaud. T'es chaud? Ah, je suis toujours partant. Bah vas-y alors, c'est parti.